En gros, on dirait Sid. Ouais, vraiment. On dirait E.T. en même temps. Ouais, c'est le Sartel. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que il y a pas longtemps, j'ai mis une photo cool où je m'étais déformé et ça m'a donné une idée de génie. Du coup, on se retrouve aujourd'hui avec Mathieu. Bonjour. Pour faire ce jeu qu'on va appeler, je sais pas comment, devine déforme ou un truc comme ça, un truc. Non, style. C'est nul ça. Le déformaton. On va appeler métamorphisme. Déformaton, c'est comme photomaton déformé. Ouais, mais c'est nul du coup. Qu'importe le nom. Le but est simple. On va prendre une photo d'une personne connue. On va la déformer sur Photoshop. Et ensuite, l'autre va devoir deviner qui c'est. Je vais commencer par une personne. Faut pas qu'il regarde, sinon c'est de la triche. T'es prêt, Mathieu? 3, 2, 1, c'est parti. Wow, c'est dur. T'es sûr que je connais? Ouais, c'est sûr que tu connais. Sûr à 100%. Attends, je vais te rajouter un indice. Ok, voilà la photo avec l'indice. T'es prêt? Tu sais toujours pas. Mais si, gros. Mais je connais pas, je crois. Mais si, c'est sûr que tu connais. Quand je vais te dire, tu vas te dire, mais non. C'est John Rachid. Non. Non. Il est pas aussi noir. Ouais, je sais. Bon, tu veux que je te donne un indice? Ouais. Papa, maman, le gars, désolé. C'est Black M. Mais non. C'est Maître Gims. Mais oui. Mais c'est Maître Gims. Pas reconnu. C'est Maître Gims sans lunettes. Waouh. Ah ouais, mais je l'aurais même pas reconnu sur la photo comme ça. Il a des petits yeux. On dirait les filles sans maquillage. Ready? Ok, vas-y, porte ton image à toi. Hop là. Ah, c'est comment elle s'appelle? Oui, c'est celle qui a fait le journal, là. C'est Claire Chazal. Oui. Ouais. Yes, yes. Waouh, elle est belle. Mec, elle a des yeux énormes. Eh, j'ai trouvé, toi t'avais pas trouvé. Mais moi c'était grave dur, j'avais une photo 144p s'il te plaît. Deuxième image à deviner, t'as vu un peu. J'ai vu un petit peu mais sans faire exprès. Deuxième. C'était 3, pas 2, mon cœur. 1. En gros, on dirait Sid. Ouais, vraiment. On dirait E.T. en même temps. C'est Jean-Marie Le Pen. Ouais. En vrai, il a des chicots là au milieu. Là c'est genre un trou noir, gros. Let's go. Ah bah c'est le mec de Oggy et les cafards, c'est Oggy. Ah oui. J'ai grave fort, j'ai vraiment chaud. Mais t'as changé les couleurs et tout. Ouais, je suis fort hein, je suis autodidacte de Photoshop. Purée, bien. Contactez-moi. On a qui, Thomas? Ok, le premier qui trouve. C'est bon? 3, 2, 1. Da Vinci. Mais non. Van Gogh. Van Gogh. Oui. Ouais bah répète ce que je dis. Aucune personnalité. Mais pourquoi il est vert? Il est malade. Bah ça c'est la couleur de base du tableau. Ouais mais je connais pas le tableau. J'ai pas cette culture. Are you ready for the... Bon, tu ressembles un peu à une saucisse. Léo, bah, c'est moi. T'es chiant. Gros, ça se voit tellement que c'est moi. T'as pas changé les couleurs du tout. Avec sa fameuse photo. Si, un peu. Tu as trouvé où cette photo? Sur mon bureau? Non, sur Google Images. C'est vrai? Ouais. T'as je voulais voir s'il y avait Léo Sartel sur Google Images. Et il y est. Grâce à vous, tout ça. Grâce à la célébrité. Et à Facebook. Et Cambridge Analytica qui collecte les données de votre compte Facebook pour les revendre à l'État américain. Pour faire passer Trump au pouvoir. Et ça, c'est illégal. Si vous voulez rire, tapez Léo Sartel sur Google et regardez la première image. Ok, c'est bon, vous êtes prêts? Absolument. Ça va pas être très dur, je vais pas vous mentir. Est-ce que ça sera moins dur que moi? Non, cool. Mais quand même pas très dur. C'est parti. C'est Griezmann. Non. Pas du tout, mec, NFL. Odell Beckham. C'est Odell Beckham. Ouais, bravo. T'es trop fort. Merci, mec. Ok, c'est parti. Un, vas-y. Deux. C'est Serge Lama. Parce qu'il y a un lama à côté. J'avais peur que ce soit trop dur. Du coup j'ai mis un indice à côté. Attends, mais est-ce que t'es allé chercher un lama? Non, 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 c'est une photo comme ça. En fait au début je voulais prendre Serge Lama. Mais le vrai lama, tu sais qu'ils ont appelé Serge. Et qu'ils ont amené dans les transports en commun là. Ouais. Mais je me suis dit c'est nul, enfin c'est juste un lama. Ils vont jamais comprendre. Du coup j'ai pris Serge Lama. Bon, c'était pas si dur du coup, mais... Voilà, c'est tout pour ce premier épisode de... Comment on a dit qu'on appelait ça? T'as trouvé un nom après. Paye ta face. Paye ta face. C'est nul, mais... On sait pas, on va réfléchir sur le nom. En tout cas, si vous avez aimé ce concept, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On fera sûrement un épisode 2, parce qu'on a bien rigolé. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus, comme ça, et de vous abonner à la chaîne, et aussi d'activer la cloche pour recevoir des notifications quand je poste. Et puis, bah, jusque-là, restez connectés.
お前はもう死んでいる。何？